petit test de méga zombie. Donc c'est marqué en gros bêta. Mais ils vendent déjà des skins, des trucs comme ça. Et, je sais pas si ça se fait dans les bêta, enfin bref. Donc au départ, il faut aller dans les menus, hein, c'est marqué un peu en français. Il y a quand même des problèmes de langue, mais au moins il y a l'effort qui est là. Du coup, on peut jouer avec ses potes. Après, pour trouver ses potes sous la carte, c'est pas franchement aisé. Faut vraiment se rapprocher de son pote si on veut jouer en coop avec des potes. C'est ça le problème. On peut pas vraiment trouver où sont ses potes parce que le respawn est vraiment hasardeux. Je conseille au départ contrôler. Moi, je dis marquer contrôle. C'est marqué contrôler. Bon. C'est du français approximatif. Mais il y a quand même l'effort, je te souligne. Donc après au départ, faut vraiment toucher ça, sensibilité visée. Je vous laisse sa chance ce jeu parce qu'il est quand même sympa, mais pour la visée, tout ça, c'est quand même dur de jouer. Il faut trouver sa petite son petit réglage quoi, parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé ce qu'il me fallait. Je continue à jouer pour tester. Donc je choisis un mode Last Man Standing ou alors match à mort. Il y a plusieurs cartes. Bon, celle-là j'ai pas encore joué, tu vois, il y a quand même pas mal de cartes. Donc on doit tuer des gens, hein, et des zombies aussi. Il y a des boss aussi. Après il y a les grenades, tout ça, mais ça fait 15 ans à acheter. Une fois qu'on la jette. 15 ans, ça sert absolument à rien. Ça, il y a un truc, tout ça. C'est un ennemi, tu vois, là j'ai du mal à le viser parce que. En fait, faut pas viser en fait. Tu vois, il m'a tué parce que j'arrive pas à viser rapidement. Dès que je zoome, c'est à la ramasse quoi. Je vais essayer encore une fois de modifier. Je vais mettre à 88. Oui. Je sais pas si vous avez vu, mais. Il a l'air vraiment. J'aime bien le décor, le design, tout ça. C'est un peu simpliste, mais j'aime bien. On peut tirer dessus de tous les côtés, mais c'est la folie. Bon, je suis mort, c'est la folie, les gars. Mais c'est un petit jeu gratuit à tester. Moi, j'aime presque. Il y a juste la caméra, j'ai pas encore trouvé le glace qui me convient, et c'est vraiment difficile. C'est dommage. Après, les grenades, on s'en sert pas parce que c'est vraiment. J'arrive pas à bouger, je me tue, je sais pas comment il fait, il doit jouer sur PC, je sais pas. Mais moi j'arrive pas, j'arrive à tuer les gens quand ils sont proches. La sensibilité, j'arrive pas à la régler comme il faut, je réitère, mais c'est dommage. Quand je vois Rock Company, ça va. Je suis en train de réserver, mais quand sur ça, je vais plus meurs en fait. Là, je vais mourir. C'est dommage, les trucs qu'on n'arrive pas à grimper, les trucs qu'on n'arrive pas à descendre. Toi, il m'a vu. Il a bien visé. Mais j'ai pas pu riposter parce que. C'est le contrôle, j'arrive toujours pas à trouver. Hein. Ouais, je vois celui au loin là, bon il est mort. Et j'ai mis 15 ans à le viser quoi. Ouais, j'arrive pas à le viser, c'est nul. J'ai encore touché les options. Je fais que monter et descendre. Vraiment j'ai.
un peu des gens qui respawnent un peu n'importe comment. Il était plus rapide, mais j'avais le bon angle, il était bien ajusté, mais il était plus rapide. Ou alors il avait la fibre. Bon, j'espère que ça enregistre bien. Oh, voilà, j'en viens pas. J'ai jamais tué quelqu'un comme ça sur ce jeu. D'habitude. Entre les zombies et les joueurs opposés. Ouais, j'ai une grenade, elle a pété à côté. Tu vois, j'arrive pas à le viser, quoi. J'arrive pas à le viser. Je suis mort parce que les commandes sont à chier, faut le dire. C'est dommage. J'arrive vraiment pas à aimer tout correctement. Non, je vais vraiment au hasard. Ouais, il y a des gros comme ça, il tue tout le monde, tu vois. Soit t'arrives à tuer, soit t'arrives pas. Non, ça fume. Ça fume, ça s'appelle dans la faute, au mieux. Il y a un petit snipe là-haut, tu vois. Je sais pas comment il a fait pour aller là-haut, je sais pas. Ça, je déteste ce genre de personnes qui attendent et qui snipe. C'est vraiment un cancer du jeu, ça. Honnêtement. Hein. Après, il y en a qui jouent bien, qui font que ça, mais ils bougent, tu vois. Ils bougent de gauche à droite, ils restent pas ici comme des feignants, comme un peu à la pêche. Oh regarde, regardez l'intelligence. Regarde, regardez le monolithe. Ah oui, plus tard il me tire dessus, il n'a pas eu le temps de me tuer. Alors que je faisais gauche droite avec le zombie. C'est que lui aussi il joue sur console et il a du mal à viser. En fait le mieux c'est de pas viser, mais quand c'est loin t'es obligé de viser un peu. Et c'est pas vraiment oh, moi au point. Ouais, je suis derrière, je pourrais leur faire ici. Mais vu que j'arrive pas à tirer. Là il y a un gros zombie, un gros boss apparemment. Bon, lui il est endormi. Oh là-bas, lui là c'est un boss. Oui, je crois. Quelqu'un de contrôle, je sais pas, je sais pas trop en fait. Je peux pas dire en fait.
Quadrakill. Mais si lui avant, je tire, il m'a tué d'un coup. J'ai pas compris. Donc voilà, la carte est assez sympa. Ouais, mais le problème, tu vois, on respawn où il y a des gens, c'est un peu. C'est un peu nul sur ce point. Mais ça arrive. C'est assez récurrent. Mais quand il sera au point, il pourrait être sympa. C'est quoi qui m'a tué? Ah, monsieur sniper là-haut. Je sais pas comment on peut avoir un sniper dans le jeu, un snipe, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Avec de la gêne, il commence à me convenir un peu, je crois. Je vais les capturer. Vous voyez, quand on charge. La merde. Le mec, il s'est déçu. Pour changer l'épaule, c'est la flèche du bas. Bon, c'est pas. Je pense qu'il y a moyen de régler ça aussi dans les. Les paramètres. Enemy spotted. Je vais mourir. Je sais pas ce qu'il veut. Je sais pas si on peut le contrôler. Je ne sais pas si c'est un bot. Une fois j'ai vu qu'il était marqué boss. Pour l'instant il n'y a pas trop de snipers, ce que j'apprécie. On peut aller à gauche, à droite de la carte. Mais voilà, tu vois, on peut ce genre de personne, tu vois, on peut pas le tuer en fait. Il va faire que attendre. Et voilà. Ouais, je vais retourner là-bas, ils sont encore là-bas. Ouais, je pourrais viser, je l'aurais déjà tué. Mais lui, je pense qu'il avait du mal aussi à viser. Il aurait regardé un peu le problème là parce que c'est vraiment dommage. L'autre il est encore là-bas, cancer, voilà. Voilà. Bon, c'est pas le sniper, mais tu vois, il a réussi à viser quand même. Tant que je puisse viser, ce qui est pas normal parce que.
faire, ils viennent à travers tous les gens là, c'est normal. C'est n'importe quoi. Ça, c'est des gros défauts. Genre les gens qui campent là. Il y en a toujours eu, mais là, quand tu veux grimper l'échelle, tu peux pas. Je sais pas. Voilà. Encore un bon exemple. Tu spawns direct, tu meurs. Il a visé une âme comme moi, il m'a vu. Donc voilà, il y a des gros problèmes, notamment au niveau de la visée, quoi. C'est vraiment. Soit tu vises comme ça à l'arrache, il y a peut-être moyen, quoi. Mais sinon, si t'as besoin d'un truc précis plus loin, genre là-bas, mais s'il t'a vu, c'est foutu. Quoi? Genre tout de suite, là, je visais. En fait, il met 15 ans à viser. Genre là, encore un bon français, perdre. Je vais perdre, tu vas perdre. Nous allons perdre. Non, je vais le marquer. Perdu. Donc, c'est sur cette grande défaite qu'on va arrêter le test. On va faire le tour vite fait. On peut changer l'avatar. Enfin, je pense l'acheter avec des points. Visage. Donc, il y a pas mal de cartes. Du coup, voilà sur ce petit test rapide de Mega Zombie. Allez, amusez-vous bien.